Ouais, t'entends bien. Ouais, Vas-y, vas-y, recommence. l'équipage. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 1v1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit 1v1. Bon, en même temps, j'en ai fait un seul. Bref, la dernière Vas-y, fois, tente c'était ta entre gueule. Boutboute et Kedas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les deux combattants. Les deux combattants sont. Ben, vous les connaissez pas. Parce que vous me connaissez pas. Moi, toujours, je fais des vidéos avec toi, on me connaît Ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. Ceux qui ont. Mais personne n'a déjà regardé. Mais s'il y a des gens qui ont déjà regardé, ils connaissent Dali. Bref, aujourd'hui, je suis spectateur. On va faire un petit 1v1 Pro League. Donc, ils vont faire leur 1v1. Je vais les muter et je vais commenter comme un match de Pro League. T'as vu? La basse, la basse. Vas-y, Vas-y, mais vas-y, tu sais quoi? et moi je On dois n'a pas le te temps. muter ou pas? Ben. Ouais, Non, moi, mutez-moi, mutez-moi. vas-y, j'ai envie d'entendre, j'ai envie Non, d'entendre. ben non, justement, tu découvriras dans la vidéo. Vas-y, moi je te mute. Ouais, mutez-moi, Vas-y, mutez-moi. vas-y, même moi je me mute. Vas-y, mais Comme viens ça, viens vous dans l'autre. découvrirez dans la vidéo. Mais ça se voit, vous allez me Vas-y, démuter des fois pour écouter ce que je dis, ça va être gênant. là je fais Ah, mais du R2. coup, moi je vais pas être gêné. Ben non, c'est moi, je mets R2. R2. C'est parti, on commence directement. Vas-y, On je te perd mute. pas plus de temps. Moi, je vous mute, mutez-moi. Il nous invite là? Ah non, les gars, je quitte la vocale. Je suis obligé. Non. Déjà, il y a un écho, je sais que tu m'as pas mute. Et je quitte parce que si vous me démutez, vous allez savoir où il est l'ennemi. C'est de la triche. Vas-y, Je suis vas-y, obligé de vas-y. quitter. Ah ouais, Vas-y, vas-y. Tu j'arrive. quittes la vocale parce que Parce si que c'est de si la c'est de la triche, on triche, se débute, on on peut peut savoir savoir où où il il y y a a l'ennemi l'ennemi et et tout. tout. Et let's go pour leur choix d'exclus. Il exclut Fuse. Il a cru qu'il fallait choisir son agent. Ah, ça commence mal, hein. Alors, je précise, c'est deux un peu débutants. Ils ont pas beaucoup joué au jeu, quoi. Il débute un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il va exclure en attaque, en défense? Momo qui a exclu Smoke. Je vois pas pourquoi, parce que Dali le joue pas. Mais on va voir le prochain choix. Moi, je pense en défense, il va exclure Clash. Dis-moi pas qu'il va exclure Clash. Je connais Dali. Ah non, j'ai cru qu'il allait exclure Clash. Alors qu'il l'a pas. Ah, s'il leur exclut Clash alors que Momo il l'a pas, il est vraiment con, petit Dalo. C'est parti. Fin de la phase d'exclusion. Pour l'instant, il y a eu des exclusions qui servaient à rien. Je sais pas pourquoi j'ai mis la phase d'exclusion parce qu'ils ont exclu ce qui servait à rien. Et en plus, du coup, Momo il. Ah ouais, mais Dali, du coup, si... il voulait choisir Fuse, le pauvre. Du coup, il peut plus jouer. Là, ça spawn en rue devant la maison. Dali, c'est aléatoire, hein. Ça joue même pas, je crois. En fait, Dali joue pas. Ah, c'est bon. Chambre avec voiture. Ok, mais le premier truc qui vient, la chambre. La base, quoi. La base. Kavera Buck. Ok, Buck, pas mal. Après, dès que Dali, il est tout en haut, donc ça sert à rien, un peu Buck. En vrai, ça peut servir dans cette map, vu que c'est une petite map. Ah, ça spawn kill. Ah, mais là, il y a la phase de drone. Dali, il croit qu'il n'y a pas la phase. Comment on change la caméra maintenant? Vas-y, on va regarder depuis en haut comme les vrais matchs Pro League. Mais faut vraiment que je trouve la touche pour regarder leur caméra à eux. Ah, voilà. Ok, donc Dali il renforce rien du tout. Il joue normal. Donc il fait aucune tactique et ça va se spawn kill. Il spawn kill au pistolet de Kavera. Ok. Allez, voilà. Il se barre, ok, parfait, c'est maintenant que le match. Non, il revient! Mais putain, il fout la mort. Ok, il l'attend, barre-toi, petit Dali. Ah, il va spawn kill autre part. T'as vu pourquoi il est con? Ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Vas-y, bref, attendez. Je commente là, c'est pas de la commentation. Comment on change. Ah oui, comme ça, faut appuyer sur X, c'est vrai. C'est vraiment chiant qu'il faut appuyer sur X dans ce jeu. Alors, Momo, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi déjà il prend pas sa mitraille déjà? Il fait quoi? Il rentre par là. Dali l'a entendu, Dali l'a entendu, ils vont se croiser. Ah non, il est encore dehors, il est pas rentré. Dali l'a entendu son entrée, hein. Ouais, il l'a entendu. Ah, il cherche d'où ça vient. Il l'a cramé, il va peut-être tenter une sortie. Momo il était en rappel stack gauche. Dommage qu'il a pas tenté sa sortie, Dali. Il aurait peut-être pu l'avoir avec de bons réflexes. Mais je comprends pas pourquoi il prend son pistolet dans les mains, lui il est un peu con. Ah mais je crois qu'il prend sniper. Je crois qu'il a pris le sniper en fait. Oh! Oh la catastrophe. Oh la catastrophe les gars. 1-0 pour Dali sur un suicide involontaire de la part de Momo. Ah c'est con de mourir comme ça en première manche. Voilà, Dali commence avec un avantage. C'est con. Alors je précise, il y a 3 manches défense, 3 manches attaque, 3 manches défense. Comment classer? Et ça se joue sur une 7 manches, donc je crois que c'est le premier en 4 ou 5.
Ça joue des Ella, Zofia, les deux cousines qui vont s'affronter. Bah en fait les deux ils ont les mêmes capacités à peu près. Après Zofia elle peut détruire des murs, elle peut Alpha doit un peu trouver et éliminer droguer. les Bon c'est monstres. pas vraiment droguer mais vous avez compris. Et bah Ella c'est la même chose. Mais est-ce qu'il va placer ses Ella? Attendez on va regarder sa vue parce qu'on va savoir s'il place ses Ella. Est-ce qu'il défend l'objectif en plaçant des Ella? Non, il s'en bat les couilles. Il cherche son drone. il Encore veut, 5 lui, il veut juste secondes. se battre. Il veut pas protéger objectif, il s'en bat les couilles, il se bat. 5 secondes avant l'insertion. Donc déjà on voit que dans leur jeu, ils jouent pas trop l'objectif, ils jouent surtout le Alpha fight. doit Hein. trouver et désarmer une bombe. C'est pour ça que là Momo en vrai si je serais lui, moi là je jouerais une Zofia. T'as vu que Dali il défend pas trop les objectifs. Moi ce que je ferais c'est que par exemple j'ai vu que déjà il joue pompé là. Ah non j'ai cru que c'était le pompe, je suis con. Vu que Dali j'ai vu on a vu dans la dernière manche qu'il était facilement tirable. Dès qu'il a cassé une porte, il a toujours tout de suite couru vers la porte. Regardez là là il va courir vers le bruit. Mais il est bête quoi, il entend pas que c'est derrière lui. Mais oh là là, oh là. Ok Momo qui est rentré, les deux qui vont se croiser. Momo qui va arriver derrière Dali, il l'a pas vu. Ils sont pas croisés, ils sont pas vus. Oh les deux qui vont rentrer par les escaliers. Ah non, Dali qui descend. Dommage qu'il ait pas monté, ils auraient pu bientôt se croiser. Dali qui le cherche en bas et Momo qui est en train de le chercher en haut. Dali qui fouille le sous-sol, on sait pas pourquoi il fouille le sous-sol, je sais pas, il y a des caméras, on sait pas trop ce qu'il fait Dali. Et Momo qui va rechercher l'objectif, qui recherche Dali et Dali qui campe en bas. Dali qui est l'assaillant en fait. Ah oui, je disais quoi aussi? Vu que dans la dernière manche, on a vu que Dali il était facilement attirable. Moi, ce que je ferais, c'est que je casserais par en bas pour feinter. Et dès que Dali descendrait, je monterais avec une Zofia. Je balance des flashs dans l'escalier ou je sais pas, là, Attaquons juste devant la l'objectif porte, bombe. là. Et je plante, hein. Alpha n'a Ou pas alors encore un tout petit désamorceur. Capitao. Le désamorceur Tu, a été tu. récupéré Je sais par pas, Alpha. tu fumigènes, tu mets du feu à l'entrée. Pour pas qu'il puisse rentrer. Et tu te caches. Faut jouer pute des fois. Des fois, faut savoir jouer pute. Ok. Dali qui va rentrer dans l'escalier juste en face de Momo. Ah non, qui va prendre l'escalier juste à sa gauche. Momo qui va du coup pas entendre Dali. Il l'a pas entendu, il s'est éloigné juste au même moment. Ok, ils sont pas croisés. Dali est dans l'autre salle. Il l'a entendu. Momo, je crois qu'il a entendu Dali. En tout cas, Dali il va passer par la salle de bain. Les deux qui se cherchent. Je pense qu'ils ont dû se dire en vocal. Oh, Momo qui tente une plante. Momo qui tente une plante. Dali qui cherche Momo qui. Bah en fait. Il est monté parce qu'il a Désamorceur vu posé qu'il était par à l'étage. Alpha. Et Momo qui a supposé. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va camper? Ok, il campe, il va attendre Dali. Il surveille les deux côtés en même temps. C'est dangereux de surveiller les deux côtés en même temps. Dali qui va arriver du côté gauche. Dali qui va arriver du côté gauche. Momo qui s'est tourné au même moment. Et c'est Dali qui remporte la manche. Est-ce qu'il va pouvoir trouver le désamorceur à temps? Est-ce qu'il va trouver le Alpha a désamorceur? trouvé le désamorceur. Et c'est gagné pour Dali. Ah, Momo, c'est le mauvais timing de Momo. En fait, il a pris une mauvaise position. Défenseur, on ne Moi, je peut me plus serais allongé contrôler à le l'entrée. J'aurais attendu Dali. Delta a gagné. Il a pris une mauvaise position, il y avait deux entrées à côté de lui, il savait pas choisir laquelle. Il s'est tourné au mauvais moment et c'est 2-0 pour Dali déjà à cause d'une première manche suicide involontaire, ça fait déjà 2-0. Bon, pour l'instant Dali il a un gros avantage, c'est toujours rattrapable hein. Parce que si Momo il est meilleur, là il rattrape facilement parce que la première manche c'était pas fait exprès. Donc là c'est encore rattrapable pour moi. Dali qui va jouer Tatsurika. Dali qui là, il veut assurer la win. Il veut faire du sale dans cette manche. Alors vraiment pour moi c'est un bon choix qu'il a fait Tatsurika. Parce que vu qu'il joue pas trop les il utilise pas trop les gadgets de ses agents. Tatsurika c'est un agent qui a pas Alpha doit trop besoin de trouver gadgets. et Il a vraiment désarmer que une des armes. bombe. C'est que du fight avec Tatsurika. Ça rentre bien dans le jeu de Dali. Je trouve qu'il a fait un bon choix. Alors déjà il a choisi l'objectif du bas. Ah oh ouais il a même pas choisi tout en bas. Il a pas choisi salon, il a choisi encore garage. Garage et salle de sport. Alors on va regarder où est-ce qu'il va. Il tourne, il cherche son drone. Il est où le drone de Insertion Momo? dans 10 secondes. Ok il est juste à côté. Plus que 5 secondes avant insertion. Ok le drone de Momo il est en haut. Il cherche l'objectif en haut. Il L'objectif sait pas où d'Alpha est est l'objectif. localisé et le Et désarmer une l'objectif de bombe. Momo de Dali est tout en bas. Et il renforce pas le garage. Je crois que le garage on peut plus le renforcer en fait. Ah celui-là on peut. Je pense que celui-là je connais plus trop maison les gars hein. Ça fait longtemps que j'ai arrêté Rainbow. Je pense que ah ouais celui-là on peut pas. Tu le casses à gauche là dans la pièce où il est. Mais celui d'au fond on peut, ok. Donc il renforce pas le garage. Et il joue je dirais il joue fusil à pompe. Mais je suis con. Ok let's go.
Donc est-ce qu'il va utiliser sa capacité de feu intelligemment? C'est ça qu'on va voir dans cette manche. Parce que la capacité de feu de Tachanka peut être très très utile. Si tu connais la position de l'ennemi, c'est très très utile. Ah ouais, donc Momo qui joue Zofia batteuse, ça peut être un bon choix. Si la batteuse est bien utilisée, ça peut être un bon choix. Elle est, bah, c'est moins rapide que l'arme de base de Zofia. Zofia, t'as vu, elle est plus pratique. C'est Zofia, c'est un agent qui est fait pour être rapide. La batteuse, ça perd de la vitesse, mais ça gagne en puissance et en calibre, en cadence de tir. Qu'est-ce que je dis calibre? Cadence. Donc, je sais même pas si elle gagne en cadence, mais il y a beaucoup plus de balles, quoi. Oh! Oh, Momo qui a très bien joué. Et c'est un 2-1 pour Momo. Momo qui a repéré ou compris, je sais pas comment, j'ai pas fait gaffe. Mais il a repéré Dali au spawn kill de la fenêtre chambre rose. Et qui a pu, par la salle de bain, le déterrer. Le déterrer. Putain, je retrouve les anciens mots de Rainbow. Hein. Il l'a déterré. Et ça va jouer Termite Cavera. Des agents très utiles en vrai. Termite, on va voir comment Dali utilise Termite. Est-ce qu'il veut utiliser leur capacité? Parce que franchement, là on voit qu'ils n'utilisent pas leur capacité. Vraiment, les deux joueurs, hein, les deux, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Parce que les deux, en fait, ils n'utilisent pas leur capacité. T'as vu, ils ont des plus, ils ont des avantages, mais ils les utilisent pas. Donc, ça c'est vraiment dommage dans leur jeu. Il fait quoi? Il troll son drone ou il arrive pas à le casser? Ah non, il arrive vraiment pas. Ou je sais pas ce qu'il faisait. En tout cas, plus besoin de regarder en haut parce qu'il est tout seul. Et Momo qui va. Qu'est-ce qu'il fait? Il va spawn kill zone du VTT? Non, ça s'appelle comment? C'est plus Ponton, c'est l'autre. Ponton il existe plus. Je sais pas. Est-ce qu'il va tenter le spawn kill? Dali qui est encore spawn. Ah, j'ai oublié les noms. Wesh, elle s'appelle comment déjà cette rue? Ah, mais attends, c'est écrit. Rue devant la maison, voilà. Oh là là, rue devant la maison. Et Momo qui va aller salle de bain. Il a pas de visuel sur Dali. Est-ce qu'il va aller le chercher? Dali qui est toujours au spawn, qui attend toujours Momo. Là, ça se voit dans le vocal, il est en train de se dire: viens, c'était un homme, viens, c'était un homme. Et Momo qui va tenter une délicatesse, il va se cacher en dessous, il va se lever tout d'un coup. Ah, bah il s'est fait repérer, il est con. Oh là là, la catastrophe! Il a tenté une grenade en dessous de la fenêtre. Et Dali qui est caché à gauche. Momo qui va se faire tuer. Ah, il a sorti sa tête. C'est serré, Momo, faut qu'il se barre là. Là, Momo, il est vraiment désavantagé. En plus, attends, reprends ton pompe, Momo. Les munitions, il avait 7-4-2. Regardez s'il reprend son pompe. Regardez ses munitions en bas. Voilà, 7-4-2, on t'a dit. Excellent, Momo. Et Dali qui va monter en rappel. C'est vrai que je peux vous faire des zooms comme ça dans la vidéo aussi. Regardez. Tac. Là, on peut voir 3 grenades. 3 grenades flash. Lui, une petite bombe. Ok, Dali qui va tenter la même chose que Momo. Et Momo qui... Le suicide de Dali. Alors qu'il avait l'avantage. Oh là là. Et Momo qui égalise, bah, par la même erreur qu'il l'avait fait perdre l'avantage. Et l'égalisation des deux joueurs. Bah en fait, ils ont tous les deux une manche méritée et tous les deux un suicide. Mais là, c'est vraiment dommage pour Dali. Parce qu'il avait... Momo, il était derrière le meuble. Il avait plus qu'à attendre qu'il sorte. Et c'était terminé pour Dali. Momo, là, le seul truc qu'il pouvait tenter, c'était un pré-shoot. Et il avait une chance sur deux que ça passe. Donc là, franchement, Dali, malheureusement, il a perdu avec l'avantage. Ça, c'est vraiment dommage pour lui. Parce que là, il avait plus qu'à l'attendre. Franchement, il avait plus qu'à... Il se cachait dans le petit coin en tournant la vue. Il attendait qu'il sorte du meuble et hop, il le fume. Momo là, le seul truc qu'il pouvait tenter, c'était soit il s'allongeait et il espérait que Dali regarde pas en bas, soit il tapait un sprint avec Cavera, soit il tentait un pre-shoot. Et les trois, il avait, bah Dali il avait l'avantage quoi, Dali il avait beaucoup plus de chances de gagner. En tout cas les deux ils aiment bien spawn kill. Et est-ce que cette fois quelqu'un va enfin gagner au spawn kill? On va regarder l'écran de Dali cette fois. Il le cherche en haut, il l'a pas vu au spawn kill. Et on va regarder l'écran de Dali, qu'est-ce qu'il va faire. Ok, il a vu le spawn kill, Dali qui va tirer. Oh, c'est passé juste à côté. Et Momo qui tire. Et Dali qui se barre, regardez, on le voit partir. Ah, Dali qui va revenir. Dali qui va revenir, je crois. Oh, Dali qui a trouvé un excellent point de vue. Ça, c'est bien joué de sa part. Il tire pour le faire sortir. Momo qui est juste en dessous de la fenêtre. Mais pourquoi il se fait repérer? Ça j'ai pas compris pourquoi il tire pour se faire repérer. Momo qui croit toujours que Dali est au spawn. Et Dali qui va venir le chercher par derrière. C'est encore une fois bien joué de la part de Dali. Faut pas qu'il se ressuscite. Faut pas qu'il se re... Oh j'ai eu peur. Mais pourquoi il a pas pris la fenêtre? Pourquoi il a pas pris la fenêtre? C'était gagné. C'était gagné. Il avait plus qu'à prendre la fenêtre salle de bain. Et c'était gagné. Momo qui a entendu une fenêtre. Il croit que c'est la salle de bain. Momo qui croit que c'est la salle de bain. Oh, elle est pas cassée.
Mais what the fuck? Et Momo. Oh, Dali qui peut venir prendre Momo par derrière. Oh Dali, allez Dali. Ah non. Dali là qui a plus qu'à rentrer dans la porte principale de la chambre rose, l'entrée de la chambre rose, et il l'a pris par derrière. Et c'est gagné pour Dali. Et c'est gagné pour Dali. C'est gagné pour Dali. Quoi? Le turn de Momo qui a failli passer. Et Dali qui a remporté cette manche quand même. Je le savais. Je le savais que c'était gagné. C'était sûr à 100%. Mais Momo qui a failli par réflexe tuer Dali. C'est dommage pour Momo, mais c'est bien joué de Dali. Et ça fait un 3-2. Dali qui reprend son avantage. Dali qui reprend son avantage, qui le retrouve enfin. Et quel agent vont-ils jouer dans cette manche? Ça respawn rue devant la maison. Déjà, il va y avoir du spawn kill. Et c'est un jacal. Alors là, je comprends pas pourquoi il prend pas un ACOG. Pourquoi tu sais qu'il va te faire spawn kill? Prends un ACOG. Prends un ACOG, mon pote. Et ça va jouer du vigile. Pour être discretos, mais je vois pas pourquoi jouer vigile alors que Dali drone jamais. Et il drone pas, il utilise pas ses drones, donc je vois pas pourquoi jouer vigile. Là en fait t'as vu dans les manches comme ça, vu que l'assaillant, enfin je dis l'assaillant parce que de toute façon les deux utilisent pas leur gadget. Ils utilisent pas leur gadget, faut jouer des frost, faut jouer des capcans. Tu sais qu'il va pas, il va pas tenter des trucs pour le détruire, il va pas jouer d'IQ pour les localiser, il va pas droner pour les voir. Donc là faut jouer du capcan, du frost, faut le pam, tu sais où, t'as vu, tu sais à peu près où il va rentrer, t'as vu là ils ont fait 5 manches, ils ont le temps de voir par où à peu près il rentre à chaque fois. Hop, tu sais à peu près, tu tentes des frost, frère, des capcans. Ou alors tu campes dans un endroit avec des capcans, toi je sais pas, tenter un truc comme ça là. Et mais ça joue que spawn kill avec eux. Alors Momo, qu'est-ce qu'il va faire cette fois? Momo qui va, je pense qu'il va viser au-dessus de la barrière. Bah ouais, c'est bien cheaté. Et Dali qui renforce. Pourquoi il tire pas dans la barricade? Dali qui a barricadé, il avait plus qu'à tirer dedans. Et Dali qui... Pourquoi il a barricadé si c'est pour ressortir? Ou Dali? Oh Dali, oh Dali. Oh dommage. Et Momo qui va partir. Momo, il a pris des balles. Il prend pas plus de risques. Et il change d'endroit et il revient. Et non, il rentre par là. Oh Dali qui va sortir salle de bain. Momo qui est passé juste en dessous de la salle de bain. Et Momo qui a entendu Dali. Momo qui a entendu Dali, qui va attendre qu'il sorte. Mais Momo, Dali qui va pas sortir. Dali qui est retourné. Qui est retourné ici. Ah mais il croit qu'il... Ok, Dali qui l'attend. Ah, Dali qui va jouer enfin de ses gadgets. Non, même pas. Il essaye de le mettre sur un sol en pierre, ou je rêve là. Et Momo Dali qui n'a pas entendu le rappel. Mais va t'acheter un casque, mon pote. Il a pas entendu le... Ah, de toute façon il va pas monter salle de bain, donc c'est pas grave. Ah là il a entendu les balles par contre. Mais là c'est pas normal que j'ai entendu le rappel. J'étais sur l'écran d'Ali, j'ai tout de suite compris qu'il montait en rappel salle de bain. Après on a pas le même casque, un casque à 100€. Lui je crois, il a un petit casque. Mais après c'est pas grave ça. On peut très bien être fort sans avoir un son excellent. Et Momo qui va essayer de prendre Dali par derrière comme Dali lui a fait. Et Dali qui attend Momo. Dali qui l'a... Il l'a pas entendu. Il l'a pas entendu. Ah non, c'est Momo justement qui l'attend, j'ai confondu. Ou Dali. Ou le 1v1. Ou le 1v1. Ou le 1v1. Mais Momo il a pas réussi à le tuer, il avait vraiment l'avantage. Il a une deuxième mitraillette et il a pas réussi à... Oh là là, la catastrophe. Dali qui a plus aucune vie. Dali il a... Ok, il l'attend allongé, c'est bien joué de la part de Dali. Momo qui attend. Ah, oh, fallait l'attendre. Dali qui a voulu tenter le cut. Mais Momo il avait des balles. C'est pas très bien joué des deux. Dali il avait plus de vie, là fallait s'allonger et l'attendre. Et s'il avait des grenades, je crois qu'il allait casser le mur derrière lui et tenter une sortie sur Momo. Tenter un rush pré-shot sur la droite et... Je sais pas, fallait tenter un petit truc. En tout cas, c'est dommage. Et Momo qui reprend l'égalité. C'est un combat très serré entre les deux. J'avais envie de faire un petit 1v entre les deux parce que je savais que ça allait être serré. T'as vu, avant que ça commence, je savais que ça allait être serré. Et ça va jouer un vigile. Et Momo qui va se prendre... Non, déjà, on sait qu'il est pas AFK. Il est en train de réfléchir. Bon, ça reprend les spawns de base et ça va jouer un Jackal après la tour, je crois. Et c'est parti pour Jackal contre Vigile. Wesh, le même combat. Mais... Wesh, c'est le même. Alpha doit l'offrir. Bizarre. Et désarmer le plus de bombes possible. Bon bah... En tout cas, Momo qui avait l'avantage dans le dernier combat. Il avait une deuxième arme. Les deux, ils avaient plus de balles. Momo, il avait une deuxième arme. Ah mais... Dali avait Jackal, là. Dis-moi pas qu'il avait un fusil à pompe en deuxième. Et dis-moi pas qu'il... En fait, dans tous les cas, Dali... Dans tous les cas, la Dali, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a soit un fusil à pompe, soit un pistolet. S'il avait le fusil à pompe, comment t'as réussi à le rater avec un fusil à pompe? Et s'il avait le pistolet, pourquoi t'as pas le fusil à pompe?
Il y a tout dans les deux cas, il y a une question à se poser. Et Momo qui va enfin, non, Dali qui va enfin pas tenter de spawn kill et qui va l'attendre calmement dans la maison avec un vigile encore une fois qui sert à rien puisque les deux n'utilisent pas leur capacité. Donc pourquoi je vigile alors que ils n'utilisent pas de drone? Et Dali qui va, ah, je crois qu'il allait le spawn kill. Et Momo qui va rentrer par salle de bain. Est-ce qu'il va entendre le rappel? Il a tiré en même temps, il l'a pas entendu. Oh la catastrophe. Après je crois qu'il l'avait pas entendu dans tous les cas, je crois que même moi je l'ai pas entendu. Ah là. Ah les deux ils vont se croiser. Momo qui a repéré Momo, Dali qui a repéré Momo. Bah en fait les deux là ils savent où est l'autre. Mais Dali là, il a l'avantage parce que lui il est dans la maison, c'est beaucoup plus grand. Et il sait que Momo est à cette fenêtre là. Tant qu'il l'entend pas faire le poum pour dire qu'il est tombé, c'est bon. Momo qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il utilise ses drones mais je suis pas sûr. Non il l'attend, c'est très dangereux de se mettre comme ça. Pourquoi il tire sans viser? Il a peut-être cru l'entendre se rapprocher de la fenêtre. En tout cas Dali qui va tenter de le prendre par derrière. Là t'as une grenade, Dali casse la fenêtre à droite. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il tente un rapprochement, la fenêtre à gauche. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait Dali? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là 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 là. Et ça fait 4-2 pour Momo. 4... Ah non 4-3 ça va. 4-3 c'est facilement rattrapable. Ah c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous a fait Dali? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il avait l'avantage largement. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage pour Dali. Bien joué pour Momo. Je vais les rejoindre. Allo. Salut. Salut. Ah oui, je m'entends juste la racler au début quand on est tombé. tout le long, je me suis. Franchement, j'ai bien rigolé. Bon, les gars, c'est la fin. Bien joué à Momo pour la victoire. Peut-être qu'il y aura la revanche s'ils veulent. C'est l'aime les frères.